Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 25 de la carrière avec Lyon. Au programme de la vidéo, un premier match en championnat contre Lorient, un match en championnat contre Monaco, un match de Ligue des Champions contre le Benfica, et pour terminer, un match contre Sochaux en championnat. Donc, j'ai trouvé quelques joueurs qu'on pourrait acheter. Alors, le premier, c'est Paul-Georges Ntep. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. 23 ans, il peut jouer attaquant gauche et milieu gauche. Donc, il pourrait être assez intéressant. Le deuxième joueur est Felipe Anderson, brésilien qui joue à la Lazio Roma. 22 ans, il peut jouer attaquant gauche, attaquant droit et milieu offensif. Donc, il pourrait être très bon aussi, sachant qu'il a un bon niveau. Et le troisième joueur est Ricardo Quichna, joueur à 5 étoiles de gestes techniques, pardon. 21 ans, il peut jouer attaquant gauche et attaquant droit, je crois. Donc ça pourrait aussi être une bonne piste pour notre recrutement. Sinon, premier match contre Lorient, on a mis l'équipe type avec juste Rose à la place de Mkhiti en défense. Donc un match à l'extérieur contre Lorient, c'est parti. Donc ce match qui commence dès la première minute avec Gassama qui fait une passe en retrait à son gardien et le bug du jeu. Il faudrait vraiment qu'il corrige ça, c'est vraiment énervant. Même si on marque un but, voilà, c'est pas mérité, c'est totalement pourri. Donc on mène 1-0 grâce à ce but contre son camp à la troisième minute. À la 10e minute de jeu, Fekir sur le côté gauche effectue un dribble, rentre dans la surface et frappe, c'est repoussé en corner par le gardien. Très belle action avec une belle frappe du pied gauche de Nabil Fekir. On obtient un corner. Une nouvelle fois sur le côté gauche, à la 19e minute, Fekir donne la balle à Grenier, le beau relais avec Gonalon qui sert parfaitement Clinton J. Il rentre dans la surface, effectue un petit dribble et frappe pour le but du 2-0. On fait le break à la 22e minute. 7e but, toute compétition confondue pour Clinton J. Notre jeune attaquant droit camerounais. 2 buts à 0 contre Lorient. À la 46e minute, Lavigne entre dans la surface de réparation et très belle intervention défensive de Fabien Char. Une nouvelle occasion pour les Lorientais. À la 64e minute, la belle passe pour le Goff qui vient fusiller Lopez. La frappe magnifique dans la lucarne. Réduction du score des Lorientais à la 65e minute. Très beau but de leur défenseur gauche qui était monté, avec une grosse frappe qui finit sur la transversale. 2 buts à 1. 74e minute, sur une touche dès l'orienté, Benzia récupère la balle et la passe à Grenier. On tente une frappe de loin et le gardien qui repousse difficilement. Belle tentative. Et donc une victoire 2 buts à 1 contre Lorient. On a largement dominé le match. 7 tirs 5 cadrés, 3 tirs 2 cadrés pour eux. Maxime Gonalon qui va être nommé homme du match avec une bonne note de 8,3 pour notre capitaine. Fabien Char qui a été bon en défense finit avec une note de 6,9. 7,1 pour Rose qui a aussi une bonne note. Clinton J qui a marqué à 7,3. On gagne donc 2 buts à 1 avec un but de Clinton J et un but contre leur camp en début de match. Passe décisive de Maxime Gonalon pour Clinton J. De leur côté, c'est Le Goff, leur défenseur gauche, qui a marqué un très beau but. Le gardien finit avec une note de 6,5. On reçoit ensuite les réponses pour les joueurs qu'on voulait acheter. Pour Ntep, il nous faudra débourser 11 millions. Pour Felipe Anderson, c'est 39 millions qu'il nous faudra débourser. Le bon joueur de la Lazio Rome. Et pour Kishna, c'est 15 millions pour le joueur de l'Ajax. Prochain match contre Monaco, j'ai remis la composition d'équipe classique. J'ai juste remis Mtiti en défenseur central et j'ai fait passer Rose à droite. Donc gros match contre Monaco à domicile, c'est parti. Lyon contre Monaco, ça commence dès la troisième minute de jeu avec la passe de Carasso pour Moutinho dans la surface de réparation. La frappe dans le petit filet qui bat Lopez. Ouverture du score des Monégasques dès la quatrième minute de jeu grâce à ce beau but. Septième minute, on va essayer de réagir avec Clinton J sur le côté. Il élimine un défenseur et donne une balle en profondeur pour Fekir qui frappe, mais magnifique arrêt du gardien. 11e minute de jeu, Fofana donne la balle à Fekir, il élimine un défenseur, rentre dans la surface de réparation, cafouillage, Isma Martin dégage la balle, ça revient sur Clinton J, il met une tête pour Fekir qui frappe et c'est dedans. Égalisation à la 13e minute, but de Jordan Ferry sur un beau service de Clinton J. 35e minute, Fekir rentre dans la surface de réparation, se bat au physique et frappe, le défenseur réussit à contrer la balle en corner. Retour des vestiaires, 60e minute, Joao Moutinho passe la balle à tout l'allant, regardez ça, il esquive les tacles, il sert tranquillement un joueur, l'erreur de main de Lopez, et tout l'allant qui peut marquer le but du 2-1 à la 62e minute. 6e but, toute compétition confondue pour l'ancien joueur de Lyon, on voit au ralenti l'erreur de Lopez, nouveau un bug de gardien, 2-1 pour Monaco. 65e minute, Andersen donne la balle à Fekir,
Il va aller effectuer quelques dribblings décalés, quelques râteaux, le dribble de la surface de réparation et la frappe bien arrêtée par le gardien. Il reste un quart d'heure de jeu. Mbolo fait un 360 avant de passer la balle à Andersen. Il sert Clinton J seul sur le côté droit. Clinton J qui est blessé, il rentre quand même de la surface de réparation, le dribble et la frappe ratée. Je ne sais pas comment il fait pour rater ça seul face au gardien, il arrive à tirer à côté. 78e minute, Mbolo donne la balle à Andersen qui frappe et qui bat la sortie du gardien. Égalisation des Lyonnais grâce à Andersen dans la fin de match, bien servi par Mbolo. Fin du match, un match nul de partout. On les a largement dominés, on aurait mérité la victoire. 12 tirs, 8 cadrés, ils n'ont fait que 4 tirs, 3 cadrés. Donc triste match nul où on aurait mérité mieux. Maxime Gonalon qui est une nouvelle fois nommé homme du match avec 7,5 de notes, donc une note pas terrible pour l'homme du match. Andersen qui a marqué à 7,3, Fekir à 7,2, Mbolo en attaque qui a fait une passe décisive à 6,9. En défense, les notes ne sont pas terribles. Clinton J et Ferry qui sont sortis ont 7,1 de notes. De leur côté, Martial, l'ancien Lyonnais, a 4 de notes. But de Toulalan et de João Moutinho en début de match. Avec des passes décisives de João Moutinho et de Ferreira Carrasco. Nul de partout contre Monaco. Et donc, comme on l'avait vu, Clinton J qui s'est blessé 3 semaines pendant ce match. Donc, notre attaquant droit ne sera pas disponible pour ce match-là contre Benfica. J'ai mis une équipe 2 avec Fekir en attaque, Balouli en attaque en gauche, Penzi en attaque en droit. J'ai remis Grenier en MOC, en défense Charles Umtiti et Bech en défenseur gauche. Gros match de Ligue des Champions à l'extérieur contre le Benfica. C'est parti. Benfica contre Lyon, ça commence à la 11e minute avec une mauvaise relance de Lopez. Yedvache qui n'attaque pas son ballon. Et Jonas peut partir au but. La passe pour Derlet et le magnifique arrêt de Lopez qui nous sauve. Sur le côté gauche, Salvio va aller centrer pour Derlet. La tête qui passe juste à côté. On a chaud dans ce début de match. 63e minute, une nouvelle occasion pour le Benfica. La passe parfaite et la frappe juste au-dessus de l'attaquant. Encore une occasion pour le Benfica. À la 66e minute, Umtiti dégage la balle. Il ne peut pas se replacer. Le but sur centre de Jonas à la 68e minute. C'est mérité. Le Benfica qui a largement dominé le match pour l'instant. On va se réveiller à la 78e minute. Gonalon passe la balle à Andersen. Le Bourrelet, Balouli, Mbolo qui trouve Andersen magnifiquement. Et le but de l'égalisation. À la 80e minute, ça a été difficile, mais on est allé chercher ce but très important. But de Andersen qui venait d'entrer en jeu. Bien servi par Mbolo. Très belle vision de jeu de Mbolo. Et à la 83e minute, Fabian Schär qui vient nous sauver. Regardez ce beau déplacement de notre défenseur central. On le revoit ici. Très beau tacle qui vient nous sauver du 2 buts à 1. Et en fin de match, Gonalon centre pour Balouli qui fait une tête. Mais Jules César capte facilement. Nous sommes dans le temps additionnel. Yacine Benzia donne la balle à Mbolo. Il entre dans la surface de réparation et tente un lob. Jules César repousse et la tête d'Andersen qui arrive pile dans les gants du gardien. Donc fin du match. Nul un partout à l'extérieur contre le Benfica. Un résultat encourageant avec un but à l'extérieur qui comptera double en cas d'égalité. Match équilibré même si le Benfica aurait mérité de gagner. 6 tirs, 3 cadrés pour eux et 5 tirs, 4 cadrés pour nous. Mbolo est nommé homme du match avec une bonne note de 7,7. Andersen à 7,3 pour son but. Mbolo a fait une passe décisive. Gonalon à nouveau 7,5 de notes. Char à 7,1 en défense. Umtiti 7,4, donc on voit que notre défense a bien joué. De leur côté, leur meilleur joueur qui est Gaëtan, leur milieu gauche avec une note de 7,1. But de la tête de Jonas qui est sorti sur une passe décisive de Gaëtan donc. Nul 1 partout contre le Benfica à l'extérieur. On va ensuite recevoir un message de Tolisso qui nous demande à avoir plus de temps de jeu. Donc on va l'écouter, on va le titulariser pour le prochain match. On va même le titulariser en capitaine, en MDC, avec notre équipe 2. Lucas au but, Yedvaj en défenseur droit, Roskoutsé en défense centrale, Amavi en défenseur gauche, donc Tolisso en MDC. En milieu gauche, Labidi. En milieu droit, Fofana. En MOC, Kaiser, qui va nous faire un très bon match, vous allez voir. Mbolo Yatara en attaque. C'est parti pour ce match à l'extérieur contre Sochaux. Donc le match Lyon contre Sochaux, ça va commencer à la 8e minute de jeu avec Yatara qui lance Kaiser sur le côté droit. Le centre à terre et c'est repris contre son camp par McGregor, leur défenseur central capitaine. On ouvre donc le score à la 10e minute grâce à ce but contre son camp.
juste avant la mi-temps. Kaiser une nouvelle fois à l'entrée de la surface. Frappe, la balle rebondit sur la transversale. Ça vient rebondir sur le dos du gardien. Et c'est le 2 à 0. Donc on a quand même beaucoup de chance. On gagne donc 2-0 à la mi-temps. Deux buts chanceux. Bien amené par notre jeune joueur de 16 ans. On revoit au ralenti la belle frappe sur la transversale. Ça rebondit contre le dos du gardien. Et ça vient rentrer dans le but. 2 à 0 donc. Avec, on pourrait dire, deux buts contre son camp. Même si ce but-là va être accordé à Kaiser. On va une nouvelle fois retrouver Kaiser sur coup franc. La 66e minute, c'est très bien tiré. Et le gardien repousse bien en corner. Très bel arrêt sur un beau coup franc lointain qui aurait pu faire but. À la 77e minute, Kaiser décale corner qui vient marquer le but du 3-0. 78e minute, donc 3 buts à 0 grâce à ce but de Maxwell Cornet qui venait d'entrer en jeu. Bien décalé par Kaiser qui est très très bon dans ce match. La belle frappe lointaine qui prend la course du petit filet. À la 85e minute, une occasion pour les Souchaliens avec une frappe de Ricardo Almeida qui passe juste à côté. Et à la 90e minute, coup franc de Gerber. La défense repousse mal. Et Sochaux récupère avec Ekambi qui vient frapper. C'est sauvé par le poteau. Mais Bruno Colazzo le redécale parfaitement dans la surface de réparation. Une passe parfaite pour le but du 3-1. Réduction du score des Sochaliens. Mais bon, ce sera inutile vu qu'on est à la 90e minute. Et donc fin du match. Victoire 3 buts à 1 contre Sochaux. Match bien dominé avec 10 tirs 4 cadrés pour nous. Et 5 tirs 3 cadrés pour Sochaux. Donc on peut voir que ce sera à ma vie l'homme du match, malgré le fait que Kaiser a une très bonne note de 8,2. Donc pour un premier match en titulaire, c'est parfait. But donc de Kaiser et Cornet avec un but contre son camp des adversaires. Cornet qui a 7,5 de note, passe décisive de Kaiser et de Amavi. Donc de leur côté, on voit que c'est leur capitaine McGregor qui a mis un but contre son camp en début de match. Sinon but en fin de match de Toko Ekambi pour la réduction du score. Victoire 3 buts à 1 contre Sochaux à l'extérieur. Et après la blessure de Clinton J, c'est cette fois-ci Kaiser, notre jeune joueur, qui se blesse pour 3 mois. Mauvaise nouvelle donc, lui qui avait fait un très bon match contre Sochaux, sera disponible pour les prochains mois. Donc sinon on reçoit les rapports des joueurs qu'on a envie de recruter. 21 ans attaquant gauche pour Kishna, 74 de général avec les 5 étoiles de geste technique. Pour Philippe Anderson, c'est 22 ans, il peut jouer donc attaquant gauche, attaquant droit, milieu offensif. Et il a 80 de général, donc ce serait notre joueur prioritaire. Et sinon pour Paul George Ntep, 23 ans, il peut jouer attaquant gauche et milieu gauche et il a 75 de général. Donc c'est le joueur qui nous coûterait le moins cher normalement. Rennes veulent 11 millions et donc sinon Vasque qui n'a toujours pas répondu à notre offre de contrat. Donc sinon c'est la fin de la vidéo. Dans la prochaine vidéo on aura un match de championnat contre le TFC, un match contre Rennes et le match les 8e de finale retour contre le Benfica. Donc dans cette vidéo là on a joué un match contre Sochaux, on a fait une grosse victoire 3 buts à 1. Un nul 1 partout à l'extérieur contre le Benfica en Ligue des Champions. Un nul 2-2 contre Monaco. Et une victoire 2 buts à 1 contre Lorient. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change quelque chose, que je fasse une différente présentation pour la carrière. Merci d'avoir regardé. Salut! Sorry, I kept you waiting.